te connais, je sais que tu n'auras aucun mal à le découvrir. C'était quoi? C'était... Ah, fuck, ouais, je comprends. Tourner. Je viens de comprendre. Il ne bouge pas, parfait. Pause. Go jouer. Ok. Partie où j'entre le bas, le milieu, l'espèce de foie, puis les poumons. Donc l'œsophage. Le colon, donc C-E-L-L, cell. Ça, C-E-L-L. Donc ça serait tout ça pour de vrai? Ouais, c'est ça. Magique. On va au deuxième étage en premier. Troisième. Je trouve c'est pas le zombie qui est couché là. Pour être temps de se transformer. Pas y transformer là.
services sanitaires. Attention du directeur des services sanitaires du comité d'alerte de Raccoon. Ce rapport est strictement confidentiel et ne doit être lu que par la personne à qui il est adressé. Toute copie ou divulgation du contenu de ce fax à un tiers est strictement interdite par son expéditeur. Ce fax doit être détruit immédiatement après avoir été lu. Les dégâts entraînés par l'épidémie de VUST seront bien plus importants que ceux que nous avions initialement prévus. Nous portons donc les faits suivants à votre attention. Premièrement, plus de la moitié des chercheurs ont été infectés par le virus T et sont morts. De plus, la quasi-totalité des survivants commencent à manifester des symptômes de l'infection. Deuxièmement, notre équipe secrète de sécurité a été totalement anéantie. Par conséquent, nos recherches ultra-secrètes risquent d'être dévoilées au grand jour. Nous vous demandons d'agir immédiatement avant que les médias ne s'arrachent l'affaire. Il y a de grandes chances pour que la plupart des spécimens errent en liberté dans le complexe. On peut s'attendre à une augmentation du nombre de victimes. Bien que la mort de ces personnes soit très regrettable, ces événements confirment le succès de nos recherches. Il nous faut agir sans attendre pour que les résultats de nos recherches ne soient pas divulgués au grand public. Nous pensons que la première intervention officielle sera le fait de la police d'État et des STARS. Nous vous recommandons fortement de prendre maintenant les mesures nécessaires les concernant. Un système de transmission de code de sécurité. Si vous avez un disque MO, vous pouvez transmettre le code du système. Ok, c'est comme ça que ça marche. Je vais chercher l'autre d'abord. C'est quoi ça? On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette lourde porte. L'ouvrir. Attention, risque d'exploser en cas de choc. C'est sûrement un appel de ravitaillement en carburant. C'est quoi ça? Filtre à diapositive, oui. Une radiographie de squelette que l'on peut voir n'a pas l'air humain. Ça, je vais se regarder, j'en ai ça. Kozu. J'ai besoin de quelque chose d'autre. N'existe pas encore dans ce jeu. Là, j'ai deux zombies potentiellement. Temps passé des films. Oh merde. Protocole de sécurité. Héliport réservé aux membres de la direction. Cette restriction ne s'applique pas en cas d'urgence. Passage à l'héliport, entrée interdite, hormis en présence d'un conseiller en recherche ou un directeur de la sécurité. Hors des données de tirer à vue et sur toute autre personne non autorisée. L'ascenseur s'arrête en cas d'urgence. Salle des données visuelles.
Accès réservé à la division de recherche, mais c'est seul Kate Irving, directeur de cette salle, peut donner à d'autres personnes autorisant d'y accéder. Prison. La prison est sous la responsabilité des services sanitaires. Au moins un conseiller en recherche. E. Smith, S. Rosa, A. Wesker. Doit être présent en cas de saisie d'un virus. Porte à triple verrou. L'entrée dans cette pièce est limitée à la personne qui désactive la serrure à l'aide de tous les codes d'accès. L'accès aux terminaux situés dans chaque section des acteurs de recherche de l'accès à la serrure. Salle haute tension. Dans cette pièce, la principale source d'énergie est un composant de base de nitroglycérine. Son accès est restreint aux surveillants du quartier général. Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers en recherche, supposant de note. Terminaux de code d'accès. L'utilisation de ces terminaux réservés aux principaux chercheurs. En ce qui concerne le progrès de Tyran, après l'administration du virus, le reste du document est illisible. Neptune, Hunter, Tyran, coup de recherche sur les armes biologiques, équipe en développement. C'est pas un beau excuse, hein? 8, 4, 6, 2. Tu fais pour aller là. Code de sécurité, c'était quoi le code de sécurité sur ça? Montage vidéo. On dirait que vous pouvez l'utiliser. Voilà. Oh, mon dieu. Get away from me! No! Hey! No!
comme ça. Certains. Non, je l'avais tué lui. Chercher la clé. D'après moi, ça va me servir à quelque chose, mais quoi, je sais pas. Des laboratoires. Elle porte un symbole d'électricité. Les portes. Oui. Juste me préparer, je vais ouvrir toutes les portes, puis je vais arrêter le stream pour ce soir. Ça va être un petit peu fatigué. Puis ce genre de jeu-là, tu vas être concentré. On en laisser pour demain aussi. Qui t'a tué? Que chaque ordinateur a ouvrir la porte, mais ça prendra. Puis des cas. Bon, allez, on explore les autres portes. Alors, c'est par la petite.
fuck off. Ça a l'air vaste en esti. Quoi cette bruit là? Je pas ce son là. Sérieusement là. That's right, nigga. Neji. Pourquoi je vois là? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Wow. C'est autre de même. C'est vraiment pas quoi faire. Des gilons du bas. Un système de transmission de code. Transmet de code. Ce genre fort. Lithium, oui. On a des coquerelles, les amis. Des cockroaches qu'on appelle. Sur ce, je vais aller sauvegarder. Je le mérite. Neige.
nouvelle bébite. Oh. Youhou. Sur ce, je sauvegarde et je m'éclipse dans le soleil couchant. Merci d'avoir été là. Et on se revoit demain, probablement pour finir le jeu. J'ose l'espérer. J'ai hâte de le finir. Bonne nuit tout le monde.